De Cagno, c'est que ce qu'il chante, c'est ce que tous les artistes ressentent quasiment à chaque représentation, parce qu'on a tous des problèmes dans la vie privée, des soucis, des enfants malades ou quelque chose qui se passe dans notre vie privée, et il faut au moment du spectacle tout mettre de côté, oublier et donner du plaisir aux gens parce qu'ils ont payé leur place et parce qu'on leur doit ça, et donc de chanter cet air, c'est vraiment le c'est le leitmotiv de la vie d'artiste, de chanteur d'opéra et même d'artiste tout court. Mais surtout le chanteur d'opéra, parce que le chanteur d'opéra est toujours confronté à cette difficulté du direct, sans micro, sans amplification. Et donc ça accentue encore plus la problématique d'être en forme, d'être au plus haut niveau. On ne nous pardonne pas d'être un petit peu moins bien un jour, alors qu'on est des êtres humains. Et qu'on n'est pas toujours en forme. Au contraire, c'est rare qu'on soit vraiment en forme. Touridou, il est séducteur malgré lui. C'est-à-dire que c'est le fait, bon déjà qu'il soit un jeune homme assez avenant comme ça, mais le fait qu'il soit allé à l'armée militaire et qu'il ait fait le bersagliere. Le bersagliere, c'est un régiment avec des plumes et qui court tout le temps comme ça. Et donc il a de quoi parader. Et donc il revient avec ça au village. Et donc c'est... il revient avec ça au village, donc c'est une sorte de star, quoi. Et lui, il est trompé parce que depuis l'enfance, il s'était promis avec Lola d'être mari et femme. Donc ils sont amoureux depuis l'enfance, ils sont voisins. Hein, ils habitent l'un en face de l'autre, donc ils se connaissent depuis toujours. Et quand il revient, il s'aperçoit que Lola l'a trahi alors qu'il l'aime depuis toujours. Et qu'elle s'est mariée en plus avec un étranger, puisqu'il est du village d'à côté. Et donc à cette époque-là, c'est un peu comme chez Pagnol, quand on est de Marseille ou de Bagne, l'étranger. Et là, c'est un petit peu la même chose. Le village d'à côté, de Vidzin, c'est plus pour eux, ce sont des étrangers. Donc, il a été trahi.
Ensuite, toutes les jeunes filles sont amoureuses de Touridou et chacune d'elles essaye de l'attirer. C'est ce que fait aussi Santuz. Et lui, donc, va succomber au charme de Santuz parce qu'il veut rendre jalouse Lola. Voilà, donc c'est un séducteur malgré lui et il se retrouve dans une situation assez délicate. Et voilà, mais en fin de compte, pour moi, la vraie victime, c'est lui, à cause de cette trahison et à cause de cette situation qui est assez complexe. Il va aller jusqu'à accepter le duel, mais en promettant de tout faire pour tuer Alfio, malgré le fait qu'il lui avoue qu'il a tort. Mais comme il a eu cette relation avec Santuz, il ne veut pas la laisser dans le besoin. Et donc, il lui fait cette promesse et en même temps, il fait la prière à sa mère. Il demande à sa mère de s'occuper de Santuz si jamais il ne revenait pas. Voilà, donc c'est un personnage assez noble dans le fond. Thank you.
Kanyo, c'est différent, c'est quelqu'un qui a un dilemme avec lui-même. Il a un problème avec, d'identité, comme il joue le rôle de paillasse. Dans la Commedia dell'arte, paillasse, c'est le personnage qui ne bouge pas, qui est immobile, qui ne sait pas prendre des décisions, qui est, qui est trompé, qui est tout le temps un petit peu... c'est le personnage, comment dire, nigo. Et donc il a ce double complexe. Alors il se dit, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis un paillasse, est-ce que... Voilà. Et tout l'opéra, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est une erreur de faire dire la comédie finie, la dernière phrase, au baryton. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas ce que voulait Léon Cavallo. Ça, c'est Toscanini qui a eu cette idée-là. C'est une idée ridicule, quelque part, puisque lorsque c'est le baryton qui le fait, ça veut dire juste « the end », fin. Alors que quand c'est Canio qui le dit, ben c'est le dilemme qu'il a pendant toute la soirée, avec d'être un homme ou d'être un paillasse. Et à ce moment-là, il dit, voilà, la comédie est finie, je ne joue plus, maintenant je suis un homme, je suis Canio. Et d'ailleurs, le leitmotiv derrière, c'est le leitmotiv de Canio, donc le ri di pagliaccio, c'est pas du tout pour rappeler le prologue. D'ailleurs, le prologue n'était pas prévu, il a été rajouté pour Morel, parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez d'air à chanter. Voilà, donc c'est une aberration voulue par Toscanini, mais moi j'ai une lettre de Léon Cavallo qui se plaint justement d'avoir accepté ça. Et il était obligé à ce moment-là, il avait subi pas mal d'échecs, il n'avait pas d'argent et il voulait surtout que son œuvre soit donnée. Voilà, donc il a accepté, mais à contre-cœur. Mais ensuite, dès la deuxième représentation, ça a été rétabli. Et depuis, tout le monde chantait tout le temps. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr les partitions qui, comme elles tombent dans le domaine public, il suffit de changer une note par-ci, une note par-là, un petit mot, ou de remettre la comédie finita pour le baryton, et on a les droits encore pour 70 ans. Voilà, mais dramatiquement, c'est faux. C'est Canio qui doit chanter ça. La comédie